Saint-Félicien, ce lundi 11 septembre 2017. Selon notre habitude, j'aimerais demander aux membres du Conseil de réfléchir quelques instants sur l'importance des décisions qu'on prend pour notre communauté et l'éclairer de la meilleure façon possible. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue tout le monde dans cette belle soirée d'été qui s'achève. Il en reste encore quelques jours, on espère. On procède à l'avant-dernière séance du Conseil de ce mandat. On a une petite soirée de travail quand même pas trop lourde. Alors, maintenant, j'aimerais une proposition Oui, bien sûr, de Monsieur le Maire. travail. Donc, premier item, ouverture de la séance, 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour, 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017, 4, suite au procès-verbal. 5, demande de versement de subvention au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal Chemin de la Pointe. 6, adoption d'une politique en matière de prévention. 7, modification entente contractuelle intervenue avec le Conseil des montagnards et la MRC du domaine du Roi relativement à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres types de risques. Autorisation de signer. 8, dépôt pour acceptation, procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 18 juillet 2017. 9, lettre d'entente, pardon, à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Félicien, autorisation de signer. 10, adjudication de contrat, fourniture de réservoirs d'expansion, parc agrothermique, aménagement des infrastructures d'accueil phase 5, Enviro-R à 59 442 et 8 sous, taxes incluses. 11, adjudication de contrat, remplacement de la toile de plafond à faible émissivité, centre récréatif Marianne-Saint-Gelais, les installations sportives Agora incorporées au montant de 63 946 $ et 52 sous, taxes incluses. 12, dépôt-rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13860. 13, dépôt-rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13860. 14, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 19 juillet au 17 août et du 18 au 31 août 2017. 15, autorisation de payer divers comptes. 16, adoption règlement 17-934 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier diverses dispositions. 17, adoption règlement 17-935 modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue d'ajouter la construction résidentielle à forte densité dans la zone résidentielle située sur le boulevard Sacré-Cœur-Nord. 18, adoption règlement 17-936 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 130M. 19, adoption règlement 17-937 modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue de modifier deux aires d'affectation dans le secteur de la rue Guilmette et de la route de l'Église. 20, adoption règlement 17-938 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue d'agrandir la zone 315R et modifier les usages y autorisés. 21, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, règlement 17-939, utilisation de l'eau potable. 22, intervention des membres du Conseil. 23, période de questions. 24, levée de la réunion. Alors, merci. Dans l'ordre, j'accepterai une proposition. M. Boivin, M. Bouchard. Oui. J'aime trois acceptations du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017 que vous avez en main. Donc, vous avez pris connaissance, je l'espère. Vous en montrez-vous satisfait, oui, M. Paradis? Mme Boudreau, vous allez appuyer. Item 4, suite au procès-verbal, M. le directeur. Oui, deux points d'information pour la population. Donc, premièrement, au niveau des travaux de réfection au niveau du boulevard Sacré-Cœur, donc trottoir, pavage, trottoir, là, on est en train là, de faire certaines corrections sur les travaux qui ont été faits là, dans les dernières semaines. Suite à ces travaux-là, donc, normalement, la semaine prochaine, il devrait avoir le planage là, de la couche de l'asphalte, donc, okay. Puis ensuite, là, le pavage qui va suivre. Donc, dans les 2 à 3 prochaines semaines, ça devrait être complété. Ça va être des travaux de soir et de nuit. De nuit. Donc, pour la partie centre-ville. Pour la partie sud, là, qui est déjà débutée, ça devrait se terminer là, demain soir. Jeudi soir, jeudi pardon. Soir. Ensuite, concernant le projet d'aqueduc, notre gros projet d'aqueduc au niveau de la pointe de Saint-Méthode, au niveau de l'avancement des travaux. Au niveau des conduites en tant que telles, il y a 3 secteurs qui restent là, à terminer. Donc, au niveau chemin du lac, il y a une partie là, qui avait du roc. Donc, le contracteur le gardait pour la fin. Donc, ça va être fait là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Chemin Simard également.
puis chemin de la traverse. Donc, c'est les trois sections là, qui restent à compléter. Puis au niveau des conduites, ça va être complété à 100%. Au niveau des branchements et des fossés, là, ça va être terminé d'ici à vendredi. Les entrées chartières, là, d'ici 2 à 3 semaines, ça va être terminé. Ce qui reste de travaux, le principal, c'est au niveau du poste de surpression. Donc, on a connecté les conduites là, dans les dernières semaines. Là. La voie a été obstruée dû à ces connexions-là. Puis maintenant, ça va être la construction du bâtiment. La fondation est faite, mais ça va être érigé le bâtiment avec les équipements. Donc, on prévoit encore travaux final vers la fin novembre. C'est ce que l'échéancier qui était prévu par l'entrepreneur. Ça suit ce qui était prévu. C'est l'entrepreneur là, qui prévoyait ses travaux. Nous, on lui avait donné là, entre 12 et 18 mois là, selon ce que lui voulait avoir comme cadence. Il y avait une cadence beaucoup plus importante. Donc, on laisse aller avec ça. On n'est pas encore capable de dire exactement quand est-ce là, on va permettre là, les branchements pour que l'eau circule dans le réseau. Mais d'ici peut-être le prochain conseil, ça va être plus précis encore. Au niveau du poste de surpression. On va avoir de l'information supplémentaire à donner. Mais pour l'instant, là, on ne peut pas dire quand est-ce que les gens vont avoir l'eau. D'accord. Alors, je pense qu'un un dossier qui va bien, je pense, satisfaction de tout le monde. Hein, on a visité le chantier, on a des commentaires, les gens sont bien satisfaits. Je pense que le contracteur fait un bon travail là-dedans. Alors, si on dépasse un peu, ben, écoutez, on n'aura pas créé d'illusions à personne. On avait donné un an et demi, 18 mois. Si on le fait à l'intérieur, ben, c'est sûr que plus on va avancer dans la période de gel, faire les raccordements, il y a un petit peu de risque. Là. On évaluera en conséquence. On l'évaluera avec l'entrepreneur, c'est sûr. On l'évaluera comme il faut. D'accord. Alors, rien d'autre, M. le directeur? Non, c'est tout. Item 5, demande de versement de subvention au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports en cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal PARAAM, chemin de la Pointe, M. le directeur. Oui, c'est un programme d'aide là, qui nous est donné, bon an, mal an, autour de 20 à 25 000 $ un peu indiscrétionnaire, là, qui nous est permis par le ministère des Transports. Donc, pour cette année, les travaux là, qu'on a qualifiés, c'est la reconstruction des deux ponceaux au niveau du chemin de la Pointe. L'aide financière est de 23 705 $, donc c'est beaucoup moins que les travaux qui ont été réalisés, qui sont presque de 300 000. Mais c'est une aide financière là, qu'on va accepter. On n'échappe pas une, puis on prend tout. Il faut récupérer tout ce qui nous est dû. Alors, une proposition pour le faire, monsieur le maire. La demande de Mme Boudreau, M. Paradis. Oui. Avec des 1 000 qu'on fait des 100, des 100 qu'on fait des millions. Comme ça, il faut le voir. Item 6, adoption d'une politique en matière de prévention, M. le directeur. Oui, c'est simplement que la ville de Saint-Félicien fait partie d'une mutuelle de prévention là, au niveau de la santé et sécurité au travail. Pour demeurer dans cette mutuelle-là, nous, on fait partie de la mutuelle Novo Plus. Donc, on a un niveau là, d'excellence, je vous dirais, là, au niveau de la mutuelle. Donc, la Ville doit démontrer son engagement en matière de prévention. Puis, ce qui nous manquait, nous, dans nos dossiers, c'était une politique, d'où l'adoption là, d'une politique en matière de prévention, là, où on affirme cette préoccupation au niveau là, de la direction des employés, même de nos contractants. Donc, la Ville affirme là, que c'est une préoccupation pour elle. Donc, c'est la politique là, qu'on vous propose d'adopter. Oui, c'est le gagnant, M. Bouchard, de l'appuyer. Oui. Oh, mon Dieu, merci. Ça, là, il vient d'arriver. Oui, bien, c'est ça. La subvention vient de tomber. Bien, c'est des stores. Item 7, modification d'une entente contractuelle intervenue avec le Conseil des montagnais et la MRC de Mandurois relativement à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres types de risques. Autorisation de signer, M. le directeur. Oui, c'est une entente là, qui existait déjà, qui date là, du 26 janvier 2010, donc une entente contractuelle où on permet là, de s'échanger des services, donc d'assistance mutuelle là, entre la Ville de Saint-Félicien et le Conseil des montagnais. Ce qu'on veut rajouter à cette entente-là, c'est, entre autres, là, les services de sauvetage nautique et sur le TNO aquatique et sur le territoire aquatique des municipalités. Donc, ces services-là vont être assumés par Masteuillage, donc par le Conseil des montagnais du lac Saint-Jean. Puis, les frais relatifs à ça, c'est la MRC de Maine-du-Roi là, qui va acquitter les frais là, s'il y a des sorties à faire là, pour les résidents de notre secteur.
En contrepartie, nous, la Ville, ce qu'on rajoute à l'entente, c'est qu'on offre déjà le service d'évacuation aux routes là, pour l'ensemble de la MRC. Donc, on intègre le Conseil des montagnais là, à ce service-là d'évacuation hors route et également le service d'enquêteur incendie aux besoins. Donc, si jamais il y a un besoin, nos équipements, notre personnel va pouvoir se rendre, mais il y a des taux puis on va pouvoir facturer là, ces interventions-là. OK. D'accord, M. Guibon, avec ça, oui. Je pense que c'est une bonne initiative. Si on partage les coûts, on implique chacune des communautés, chacun développe sa spécialité. Ça nous invite de tous investir les mêmes créneaux. Chacun est compétent, développe son expertise et puis l'impression de participer au bien-être et à la sécurité collective de tout le monde. Item 8, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 juillet 2017. Tout est conforme, M. le maire, j'en fais la proposition. M. Boivin, vous allez l'appuyer. Item 9, lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Félicien, autorisation de signer, M. le directeur. Oui, lors des négociations de la dernière convention collective là, avec le syndicat des pompiers-pompières du Québec, section locale Saint-Félicien, il avait été négocié, puis une entente avait été intervenue pour reclasser au niveau des classes salariales et des échelons le préventionniste inspecteur et l'assistant en prévention. Par contre, quand il y a eu la rédaction là, de l'entente en tant que telle, donc de la convention, il y a une omission, ça n'a pas été inclus. Okay. Donc, on veut tout simplement, là, sous forme de lettre d'entente, là, le rajouter à la convention. C'est quelque chose qui avait été déjà négocié. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'on met sur papier ce qu'on applique depuis le début de l'année. OK. Oui, M. Guibon, Mme Boudreau. Item 10, adjudication de contrat, fourniture de réservoirs d'expansion au parc agrothermique, aménagement des infrastructures d'accueil pour la phase 5. À EnviroR, au montant de 59 442,8 taxes incluses, M. le directeur. Oui, c'est afin de compléter les travaux de la phase 1 là, concernant le réseau d'eau chaude basse température. Donc, c'est le poste de compensation pneumatique. C'est un appel d'offres public qui a été publié là, dans les dernières semaines. Il y a 3 soumissions qui ont été reçues. La plus basse conforme est celle de EnviroR, comme vous l'avez dit, là, 59 442,8 incluant les taxes. Au niveau du financement, c'est le règlement d'emprunt là, qui est en vigueur présentement là, pour la phase 1. Donc, le règlement 14873 là, qui va être utilisé comme source de financement là, pour ces travaux-là. Alors, vous proposition, M. Boivin, vous allez appuyer. Dossier qui va bien, qu'on continue d'aménager et d'améliorer en route. Il fait l'envie de nombreuses municipalités, je peux toujours le dire. Item 11, adjudication de contrat, remplacement de la toile de plafond, à faible émissivité du centre récréatif Marianne-Saint-Gelais, les installations sportives Agora incorporées au montant de 63 946,52 taxes incluses. Monsieur le directeur. Oui, c'est dans le cadre, là, on l'annonçait il y a quelques jours, quelques semaines, là, oui. Le programme PIC 150 pour lequel la Ville s'est qualifiée. Pour lequel, là, sur un projet de 370 000, il y a 185 000 là, qui va être en subvention provenant là, de DEC Canada du gouvernement fédéral. Donc, c'est une partie des travaux. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation pour cette toile-là de plafond à faible émissivité. Il y a un soumissionnaire qui a déposé, qui est les installations sportives Agora incorporées. La soumission est conforme, donc on vous la recommande là. À 63 946,52 taxes incluses. Monsieur Paradis, vous en faites la proposition. M. Guibon, vous appuyez ça. Mais vous avez vu l'installation. Vous pouvez nous en parler un peu. C'est quoi la faible émissivité? Là, elle n'est pas installée encore. Il y a les lumières qui sont faites pour le moment. Ça fait quand même une grosse différence. Mentionner que ces travaux-là vont être faits de soir et de nuit. OK. Ouais. Afin de nuire le moins possible. Là. Il n'y a rien dans. S'il y a des délais, s'il y a quelque chose, mais dans l'optique, là, c'est de faire. Là, dès que les locations se terminent, avec un chiffre de nuit, fait qu'on essaye de toucher la moindre personne possible. C'est la fameuse toile grise qu'on voit là, derrière les lumières. Exactement. Là, il y a eu beaucoup de modifications dans les dernières années, trouées, réparées. Fait qu'on va se mettre tranquille avec les femmes. Plus efficace, celle-là aussi. Oui. Bon. Je pense que c'est intéressant. On va avoir amélioré notre aréna depuis quelques années. Là. Des coûts raisonnables, je pense. On a mis un suivi très, très serré. Aux 2-3 ans, on en remet un petit peu sans mettre des montants astronomiques.
on en met un petit peu là, pour la garder, parce que, comme je l'avais mentionné au dernier conseil aussi, c'est un bâtiment qui est quand même très utilisé. Oui, ouais, très sollicité. Ouais. Et là, avec les gicleurs, ben là, on est conforme partout. Exactement. On veut faire des petits réaménagements à l'intérieur, exactement, on veut dégager, s'agrandir avec par en dedans, comme on dit, mais on peut le faire. Hein? Ouais. Avant ça, on ne pouvait pas. Exact. Ben, parfait, ça, c'est un beau dossier. Merci. Item 12, dépôt, rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860 au montant de 100 $. C'est pas notre plus gros. C'est pas notre plus gros. Je vais proposer. Boudreau, c'est Warren, la fille. Pas obligé de l'augmenter. Et on est capable de vivre avec ça, ça va le faire. Item 13. Dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860 au montant, cette fois, de 208 928,15. Vous avez le détail de chaque service que vous avez pu constater. Merci. Alors, une proposition, oui, je vais faire la proposition, monsieur Gagnon. Monsieur Rochard va appuyer. Oui. Item 14, acceptation des listes de comptes, période du 19 juillet au 17 août et du 18 au 31 août 2017. Monsieur Boivin, avez-vous? Oui, toujours accompagné de Mme Boudreau et de Mme Jeannie Paquette, notre trésorière. Alors, pour la période du 19 juillet au 17 août 2017, pour un montant totalisant 2 394 259,86. Okay. Et pour la période du 18 au 31 août 2017, pour un montant totalisant 1 067 618,26. Alors, tout est conforme, M. le maire, et j'en fais la proposition. Cette proposition, Mme Boudreau, vous avez appuyé votre collègue. C'est. Item 15, cette fois, autorisation de payer divers comptes au montant de 34 000, on l'a là, c'est, 34 486 et 2 sous. Et 2 sous, oui, avec le détail en annexe. Alors, c'est des honoraires. Des honoraires professionnels. 7 543. Puis on avait également là, environnement Sanivac là, pour 26 946 et 1. D'accord. Alors, une proposition de payer ces comptes-là, M. Boivin, M. Bouchard. Oui. Item 16, adoption règlement 17-934, modifiant le règlement de zonage 03-600, en vue de modifier diverses dispositions. Maître Ménard? Oui, donc, dans le cadre du projet Sourcia de M. Jérôme Simard, donc, des modifications applicables en deux temps, donc, versus la zone 129R dans le secteur de la rue Potvin. Donc, on modifie la marge avant et la marge arrière pour l'implantation de bâtiments de nature multifamiliale qui va être fixée à 8 mètres. Également, là, permettre la construction de bâtiments de 3 étages. Et puis, certaines modifications qui sont applicables à l'ensemble du territoire concernant les normes d'implantation de bâtiments d'équipements de chauffage dans le cadre d'un projet domiciliaire comptant au moins 10 unités. Donc, Monsieur le maire, on est à l'adoption finale. Je vais vous faire alors, demander. Alors, vous avez pris connaissance entre les mains le règlement au niveau juridique. Vous renoncez à sa lecture. J'ai pris connaissance et je renonce, Monsieur le maire, oui. M. Boivin, j'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. J'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. Merci, Mme Boudreau. Oui, j'ai pris connaissance, je renonce. Merci. Alors, une proposition pour adopter le règlement. Vous en faites le règlement. M. Bouchard va l'appuyer. Merci. Oui. Item 17. Adoption règlement 17-935. Modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue d'ajouter la construction résidentielle à forte densité dans la zone résidentielle située sur le boulevard Sacré-Cœur Nord. Donc, certaines modifications à notre plan d'urbanisme concernant l'ajout d'une aire d'affectation résidentielle à forte densité à l'aire d'affectation résidentielle de faible densité, là, qui est, comme vous venez de le mentionner, qui est située sur le boulevard Sacré-Cœur-Nord. Monsieur le maire, on est à l'adoption finale également dans ce projet de règlement. Alors, encore la même procédure. Vous avez pris connaissance, vous avez reçu oui, monsieur au moins le maire. Deux jours, et vous renoncez à la lecture oui, dans sa renonce. Forme. Je renonce à la lecture, monsieur le maire. Monsieur Gagnon. Monsieur le maire, j'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. J'ai pris connaissance et aussi je renonce à sa lecture. Moudreau. Également, je renonce à sa lecture. Bonjour, je alors, une proposition. Proposée. Proposée. Mme Boudreau, vous allez l'appuyer.
Item 18, adoption règlement 17936, modifiant le règlement de zonage 03600, en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 130M. Maintenant, madame. Dans le même cadre du projet, donc on a modifié le permis d'urbanisme, oui. Maintenant on modifie le règlement de zonage, donc certaines modifications concernant les usages autorisés dans la zone 130M, toujours dans le secteur boulevard Sacré-Cœur-Nord, de manière à inclure l'usage de densité forte. Également, là, versus la zone que je viens de vous mentionner, modification relativement à l'implantation, bien, ou plutôt aux marges prévues pour l'implantation de bâtiments de nature multifamiliale. Monsieur le maire, on est à l'adoption finale également dans ce projet de règlement. Toujours la même connaissance et je renonce. Connaissance du règlement et je renonce, monsieur le maire. J'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. Monsieur Gagnon. Je renonce aussi. Madame Boudreau. Monsieur Paradis, connaissance, connaissance. Alors, une proposition, Monsieur Paradis, Monsieur Guibon, vous allez appuyer. On complète certains règlements, Monsieur le maire. On ferme la boucle. C'est des vieux règlements, ben, pas des vieux règlements, des règlements qui ont été assez longs quand même. Là. Et alors, item 19, adoption règlement 17, le pire, c'est qu'on retourne à la vocation ancienne dans ce cas-là. Oui, exactement, dans le règlement, vous venez mentionné. Il avait été amendé pour permettre le commercial, puis il retourne au résidentiel. Item 19, adoption règlement 17-937, modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue de modifier deux aires d'affectation dans le secteur de la rue Guilmette et de la route de l'Église, maintenant. Oui, certaines modifications prévoyant l'inclusion de l'usage maison mobile dans l'aire d'affectation résidentielle de faible densité située, comme vous venez de le mentionner, dans le secteur de la route de l'Église et de la rue Guilmette. Également, on en profite là, pour agrandir la zone d'affectation résidentielle de faible densité, toujours dans le même secteur. À même la zone d'affectation institutionnelle et communautaire, de manière à intégrer le centre communautaire à cette zone. À cette zone. Monsieur le maire, on est à l'adoption finale. La même procédure, Monsieur Bouchard? Oui. Vous avez pris connaissance et je renonce. J'ai pris connaissance et je renonce. Monsieur Boivin, Monsieur Gagnon. J'ai pris connaissance et je renonce à sa lecture. Je renonce aussi. Monsieur Guibon, Madame Boudreau. J'ai connaissance et je renonce. Alors, une proposition. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire, seconder, Monsieur Boivin. Item 20, adoption règlement 17-938, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue d'agrandir la zone 315R et modifier les usages y autorisés. Dans le même cadre du projet, plan d'urbanisme, maintenant le règlement de zonage. Donc, on agrandit la zone 315R dans le secteur que vous avez mentionné, rue Guilmette et route de l'Église, à même la zone 329 mai, afin d'intégrer le centre communautaire, qui sera éventuellement, là, sous peu, là, probablement à la prochaine séance, vendue à des citoyens pour une conversion en bâtiment multifamilial. Et puis, certaines modifications concernant les usages autorisés dans la zone 315R, de manière à inclure dorénavant les usages, l'usage maison mobile dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble et certaines modifications applicables pour les marges. Monsieur le maire, on est à l'adoption finale là, sur ce règlement. Alors, la même procédure, M. Bouchard. Et lui, j'y renonce. J'ai pris connaissance du règlement, M. le maire, et j'y renonce. J'ai pris connaissance, M. le maire, et je renonce à sa lecture. Je renonce aussi à sa lecture. Je renonce à sa lecture, on aura pas de problème. M. Paradis. J'ai pris connaissance et je refuse. D'accord, alors une proposition, M. Boivin, M. Gagnon. Oui. Item 21, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, règlement 17-939, utilisation de l'eau potable. Maintenant, Nord. Donc, je vais faire juste une parenthèse parce que c'est une nouvelle terminologie que vous voyez apparaître, pas pour l'avis de motion, mais le dépôt d'un projet de règlement. Donc, conformément là, à la loi là, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, dorénavant, la procédure d'adoption d'un règlement doit passer par un avis de motion, par le dépôt d'un projet de règlement avant de passer à l'adoption finale. Donc, c'est ce soir, là, c'est la nouvelle terminologie que vous voyez. On passe à l'avis de motion et à l'adoption, et au dépôt d'un projet de règlement. Donc, l'adoption finale devra venir à une séance ultérieure. Et c'est certaines dispositions qui vont prévoir les pouvoirs généraux de la Ville en matière d'eau potable, les utilisations des infrastructures et des équipements d'eau, les utilisations intérieures et extérieures applicables à l'ensemble du territoire, de même que celles applicables là, particulièrement pour le secteur de la pointe de Saint-Méthode, les infractions et les pénalités applicables en cas de contravention. Monsieur le maire, juste préciser, ce n'est pas un nouveau règlement, ce n'est pas des nouvelles dispositions, c'est seulement
une mise à jour du règlement actuel, exactement, là, concernant, entre autres, là, le prolongement, là, en lien avec le prolongement du réseau d'Aqueduc à Saint-Méthode. Donc, ça me prend un avis de motion. M. Boivin, les citoyens auront l'occasion de consulter le document, puis éventuellement... Je l'ai déjà mis disponible ce soir, et puis sinon, il est disponible au service du greffe également. Alors, c'est une disposition intéressante, nouvelle, là, qui éclaire encore un peu plus là, la prise de connaissance. Effectivement. D'accord, alors nous serions rendus à l'intervention des membres du Conseil, M. Bouchard. Oui, bonsoir tout le monde. Mon petit message, j'aimerais annoncer que le déjeuner à l'âge d'or recommence ce dimanche. On invite toute la population à y assister. C'est vraiment bon, c'est vraiment plaisant. Et aussi, j'aimerais annoncer que je vais faire partie de la course pour mon siège aux élections de novembre. Merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde. Merci, M. Bouchard. Bonne nouvelle. M. Boivin. Oui, alors, moi, j'annonce pour que les Journées de la culture qui vont avoir lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre à la Maison de la culture, ici à l'Hôtel-Ville, la bibliothèque municipale, beaucoup d'activités vont avoir lieu. Alors, vous pouvez prendre connaissance du feuillet qui sera distribué par la poste. Alors, allez-y en grand nombre. Également, bien, je l'annonce encore de nouveau que je serai candidat au siège numéro 2 aux élections de novembre. Merci beaucoup et bonne fin de semaine. Merci, M. Boivin. M. Gagnon. Alors, M. le maire, trois choses. D'abord, au dernier conseil, j'avais informé la population qu'on avait commencé à travailler sur le site là, du cégep là, pour les forêts nourricières. Mm-hmm. Oui. Alors, on va procéder cette semaine à la deuxième étape, c'est-à-dire la plantation des arbres et arbustes. Donc, il y a une invitation qui est lancée à la population pour ceux qui veulent voir le procédé et aider à faire la plantation. Alors, c'est une activité qui va être intéressante, puisqu'en plus, il va faire beau toute la semaine. Donc, voilà. Donc, à compter du 13, il faut se rendre sur les lieux du cégep, là, au coin du boulevard Hamel et boulevard Corée des Boulots, rue des Boulots. En tout cas, en façade. En façade. OK. Deuxième point, je ne sais pas si je dois en parler ici ou si je dois aller là. C'est pour le souper à Cassandra Bredette. Alors, est-ce que vous m'autorisez souligner? Oui, oui. Donc, merci de me le permettre, M. le maire. Alors, effectivement, vous savez que... Les prochains Jeux olympiques auront lieu l'année prochaine, en 2018. On aura deux représentantes de Saint-Félicien, dont Cassandra Bradette. Et une amie de la famille à Cassandra a décidé d'organiser un spectacle country pour faire une levée de fonds, pour aider les parents à défrayer les dépenses là, qui vont au-delà de 15 ou 18 000 $. Fait que ça a lieu le 4 novembre à l'Hôtel du Jardin. Il y a des billets en vente à l'Hôtel du Jardin. Fait que moi, personnellement, je souhaite que la population réponde en grand nombre pour cette activité-là. On est une ville fière, on est heureux de ces événements-là. Et c'est un événement positif pour la ville, fait que j'encourage le monde à acheter leurs billets par rapport à ça. Parfait. Puis mon troisième point, ben, c'est sans surprise, comme je suis revenu au conseil l'année passée, alors j'espère bien pouvoir procéder pour un 4 ans encore. Alors, voilà. M. Gagnon. Merci à vous. M. Guibard. Oui. Premièrement, je voulais féliciter pour ceux qui ont organisé le raid en fin de semaine, le raid Boréal. Il y avait quand même 209 inscriptions. On a vu une belle organisation. Puis je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment agréable. Comme mes amis de la table, j'ai une déclaration à faire aussi. Je vous en fais la lecture. Bonsoir, mesdames, messieurs. Vous m'avez donné le privilège de vous représenter au Conseil de Saint-Vilicien depuis 24 ans. Ce soir, je veux vous remercier de votre confiance. Je me suis toujours efforcé de travailler au bien-être de mes citoyens et avec tout ce que nous avons accompli, je suis fier de ma ville et de sa population. J'ai pris grand plaisir à m'impliquer dans la réalisation de projets importants comme le parc industriel, la voie de contournement, l'achat du complexe du parc devenu aujourd'hui notre hôtel de ville, l'aménagement de la maison de la culture et sans oublier l'implantation récente de l'éco-centre pour ne nommer que ceux-là. Je vous ai représenté aussi au cours des dernières années comme président de la Corporation de l'activité pêche du Lac-Saint-Jean.
Je préside le comité de sécurité publique de notre MRC et je travaille depuis des semaines sur un projet qui me tient à cœur et qui pourrait bonifier notre offre touristique, soit l'implantation de sentiers de quad tout au long de la ligne d'Hydro-Québec, la Dorée-Bout de l'Île. J'ai toujours respecté la démocratie, dis-je, municipale, même si parfois j'avais des opinions contraires. Je faisais part de mes points de vue, de mes réserves, mais j'ai travaillé en équipe, en me ralliant, dis-je, à la majorité, car pour moi, l'harmonie de notre municipalité est essentielle. Essentielle, dis-je, à son développement, car ce n'est pas dans la chicane qu'on fait avancer des choses. Je remercie les membres actuels et passés avec qui j'ai travaillé autour de cette table. Après 24 ans, une réflexion s'imposait. Donc, je vous annonce ce soir que je serai candidat au poste de maire de la ville de Saint-Vilicien aux prochaines élections. J'ai des projets, j'ai des idées et je compte sur votre appui. Merci. Merci, M. Gibbons. Madame. Moi également, après mûre réflexion, après 3 mandats, je me suis posé la question, est-ce que j'ai encore l'énergie nécessaire à offrir à la population? Et la réponse était oui, parce que j'ai des projets qui me tiennent encore à cœur, qu'on n'a pas pu réaliser compte tenu des fois, soit des ressources financières ou du temps ou de la disponibilité. Et je sollicite à nouveau un 4e mandat, et que j'étais fier de représenter la population. Je désire encore continuer. Et compte tenu également que lors du prochain mandat, j'annonce, mon patron ne le sait pas encore, mais j'annonce officiellement que je vais prendre ma retraite de l'enseignement, donc ce qui va m'offrir un peu plus encore de disponibilité à offrir à mes citoyens. Donc, je suis très heureux de vous annoncer ce soir que je sollicite un 4e mandat sur mon siège numéro 5. Merci. Madame Boudreau, Monsieur Paradis. Oui, deux petits points. Premier point, ça traite de féliciter l'organisme du triathlon Saint-Félicien qui a eu lieu il y a 2 fins de semaine. Je pense qu'on a eu, pour ceux qui ont été voir, un site splendide. On a fait découvrir à plusieurs personnes provincialement qui ont adoré notre nouveau site ici. On a eu un comité qui a été très dynamiste. Qui, écoute, pour une première activité, c'est rare qu'on a vu des activités à leur première année Ketlo qui ont eu un si grand succès, puis on a eu beaucoup de très bons commentaires de du monde qui vont faire des compétitions partout provincialement. Fait qu'un gros félicitations au comité, tous les bénévoles. Un triathlon comme ça, c'est énormément de bénévolat. On est chanceux à Saint-Félicien, je l'ai dit souvent. On a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent. Continuer, c'est très important. Fait que c'est ça mon premier point pour le... Mes félicitations. Deuxième point, comme mes confrères. confrères et consoeurs. Non, j'annonce également ma candidature au siège numéro 6 pour le 5 novembre prochain. Écoute, j'ai adoré mon expérience présentement. J'ai eu des coachs qui m'ont bien appuyé dans tout ça. Quand même un monde qui est très différent que le privé. Moi, j'ai adoré l'expérience, j'ai la passion, j'ai la flamme encore, je veux continuer. Mon rôle, moi, personnellement, c'est pas d'amener... Ben, c'est plus d'aller chercher l'information, qu'est-ce que le citoyen veut, comme je l'ai dit même à ma dernière campagne. C'était vraiment de faire le lien entre le citoyen et amener l'information au public, prendre cette information au conseil, l'amener au public. Je pense que c'est ça, personnellement, le rôle du conseiller. J'ai quand même eu un peu d'appui, j'ai fait le temps sonde un petit peu, fait que je vais continuer dans cette ligne-là, fait que tout simplement, je vais avoir je sais pas, je vais avoir des photos ou comment, on va être sur le bulletin de vote pour le siège numéro 6. Bravo. Merci. Merci bien. Alors, moi, j'aimerais vous faire part de l'activité auquel j'ai participé en fin de semaine. Je pense qu'elle est bien importante et qui m'a motivé. Je suis revenu très enthousiaste de cette rencontre-là de 3 jours qui s'est tenue à Saint-Hyacinthe, là, dans le cadre là, du 5e Forum des idées pour le Québec. Le forum s'appelait « De l'ambition pour nos régions ». C'est-tu intéressant d'entendre un thème comme ça? Alors, ça se déroulait sous la présidence de M. Couillard, notre député, évidemment. L'ensemble du gouvernement était présent.
le regroupement des centres spécialisés de cégep était là. Il y avait le regroupement des universités du Québec également. Les chambres de commerce, l'UNQ, les entreprises du secteur numérique, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et puis des anciens d'Hydro-Québec également. Alors, le thème, c'était justement de voir, à un moment donné, est-ce que les régions ont de l'avenir, de quelle façon ils vont s'en sortir, puis qu'est-ce qui pourrait constituer des conditions là, importantes, des conditions de succès. Parce qu'on fait, au cours de cette analyse-là, on a fait trois constats importants. Je pense que je vais vous partager. Je ne vous ferai pas le résumé complet du colloque, mais je pense que c'est important. C'est que tous ces gens-là, là, qui ont duré trois jours de conférenciers, il y avait quasiment une trentaine de conférenciers, ça roulait très bien. Ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, dans les régions, il n'y a pas assez d'entrepreneurship. Il n'y a pas d'entrepreneurship. C'est un problème majeur. C'est fait. Ensuite, deuxième constat, c'est que la main-d'œuvre spécialisée pour appuyer nos promoteurs, pour lancer des projets, n'est pas là. Pas rien que nous autres, il vit le problème, ça se vit à grandeur du Québec. Fait que ça, c'est majeur. Et le troisième point qui ressort suite à toutes ces analyses-là, c'est qu'il y a un manque de coordination totale. Entre toutes les formes d'aide qu'on pense, qu'on fournit à nos entrepreneurs, dans bien des cas, c'est le free-for-all. Hein? C'est tout chacun y va à sa façon, tout chacun reprend le contact. Et puis, ça fait perdre du temps, puis ça ne nous rend pas efficaces. Il y avait un conférencier français qui était là, entre autres. La France, dans ses interventions auprès des entreprises, c'est pas bien des interventions financières, mais c'est du support technique, intervient de 4 à 5 fois plus souvent qu'au Québec auprès de ses entrepreneurs. Fait que, tu sais, quand des gens pensent qu'on travaille, on fait un cahier des entreprises, on lui donne tout, c'est faux. C'est faux. Puis ça, là, c'est admis par l'ensemble des intervenants du secteur. Puis, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas d'attendre quand ça va mal, c'est pas attendre la dernière minute, qu'il faut se positionner, puis il faut se positionner plus tôt que trop tard. Entre autres, il y avait le maire Angers de Shawinigan, vous savez, vous connaissez tout Shawinigan, Shawinigan qui a perdu au cours des 5-6 dernières années au-delà de 3000 emplois industriels. Trois usines majeures qui ont dû fermer leurs portes, qui a causé là, un choc terrible à Belgo, Rio Tinto et puis les usines Laurentides de Résolu. Alors, la municipalité doit intervenir rapidement, investir des millions dans ce qu'on appelle un digium. Ça veut dire qu'avec toute la révolution informatique, étant donné que c'est une ville qui ne pouvait plus évoluer directement avec les ressources qui avaient été abandonnées par la grande entreprise, on a mis des millions avec des jardins, puis on a créé une espèce d'incubateur pour favoriser l'entrepreneurship, puis relancer la municipalité, puis ça connaît tout qu'un succès. Alors, en gros, c'est un peu ça qui s'est passé au cours de la fin de semaine. On a eu des engagements de différents partenaires, entre autres du gouvernement québécois, qui nous promet de faire ce virage-là, puis d'accompagner les régions. Parce qu'un autre constat qu'on faisait, ça je vous le dis, puis c'est un peu paniquant quand on entend ça, c'est pour ça qu'il faut avoir des projets, il faut avoir de la vision, il faut innover. Puis je vous dis ça en passant, ben, Saint-Félicien, disons, qui est assez bien coté, puis on est reconnu dans tous ces forums-là. Avec l'avance, une certaine avance qu'on a, où on a pris des risques, puis on est des leaders dans certains secteurs. Parce que, autour de, en tout cas, par les statistiques qui nous ont été communiquées, il y avait des spécialistes du fédéral, de la statistique canadienne, autour de l'année là, 2025, là, le Québec sera parmi les peuples les plus âgés du monde. Ça, je n'avais pas besoin de faire de démonstration. Il n'y a plus de relève, on ne fait plus d'enfants, les familles se dissolvent au gré du temps. Alors, comment on va faire, la question qu'il faut se poser pour soutenir notre économie, si on veut garder les services à une population vieillissante? Autrement que par l'entrepreneurship. Puis, où on va le prendre si on n'est pas capable de le prendre dans nos familles, dans nos régions? C'est l'immigration qui va jouer un rôle important. Autant on questionne cet enjeu-là, autant
On est partagé sur la façon de le faire, mais il n'en demeure pas moins que c'est la solution. On a l'espace, on a les ressources, on a la volonté de faire des choses, mais on n'a pas le monde pour le faire. Alors, je pense que ça, ça s'adresse un peu, là, je n'irai pas plus loin pour l'instant, mais ça vous met la table de moi, ce que j'ai le goût de continuer à faire. Là, les gens sont tous prononcés. Moi, j'ai annoncé que je sollicitais également un autre mandat. Mais ça confirme pas mal le plan de la vision que j'ai en tête depuis des années, puis que je veux continuer d'élaborer pour Saint-Félicien, puis que je veux également partager avec l'ensemble national, parce que Saint-Félicien a un rôle déterminant depuis quelques années. Je pense qu'on occupe des tribunes. On témoigne au effort, puis avec conviction, puis on crée des émules également. Alors, on le voit par les programmes qu'on développe. J'ai encore en tête quelques projets très intéressants, très innovateurs, qu'on pourrait mettre en place rapidement. Puis, devant l'intérêt, la compromission de tous ces partenaires-là, le monde de l'enseignement, qui est une condition essentielle, l'enseignement supérieur, nos gouvernements, les ministères économiques qui abondent dans ce sens-là puis qui sont prêts à nous supporter, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de douter de notre capacité puis de la qualité d'avenir qu'on peut procurer à nos enfants et à nos petits-enfants surtout. Hein. Moi, je vous le dis souvent, mes motivations, je vais faire revenir certains de mes enfants localement, mais c'est nos petits-enfants qui nous motivent le plus. Et j'en ai 6, puis des fois, on voit ça que c'est inquiétant, je veux lui procurer un avenir. Alors, c'est dans ce sens-là, moi, que je vais continuer à m'engager, que je vais continuer à essayer de porter bien haut les couleurs de notre communauté, avec fierté et pour rendre les gens fiers, puis surtout engager la population à soutenir cet effort de développement puis d'entrepreneurship là, qui caractérise Saint-Félicien depuis toujours. Rappelez-vous, on n'est pas une ville de service, on est une ville d'entrepreneurs, mais il faut entretenir ça, il faut arroser ça de temps en temps, puis il faut supporter nos entrepreneurs. Je vous le dis souvent, ce n'est plus les ressources naturelles qui sont la première valeur, c'est l'entrepreneur. C'est la volonté de faire, c'est la capacité des gens de bâtir, de créer de l'emploi, d'entraîner sa communauté, de se dépasser, parce qu'on a une petite tendance au Québec de niveler peut-être par le bas, là. Faire la place à la réussite, faire la place au leadership, c'est ce que le Québec a besoin pour devenir un pays fort, devenir une référence mondiale, comme on peut l'être. Il y a encore des opportunités très intéressantes qui sont devant nous. Il s'agit de les saisir et d'accompagner les gens qui veulent faire des choses. Alors, je serai de ceux-là aux prochaines élections qui s'en vient. Alors, voilà, moi, ça serait pas mal tout ce que j'aurais à vous livrer ce soir et à la période de questions, la presse, s'il vous plaît. Ouais, OK. Madame l'Étoile du Lac, non? Non, ça va. Non, ça va. Alors, la salle, quelques questions? Oui, M. Blouin. Je ne sais pas si je suis un bonsoir, mais... Je voudrais solliciter votre aide. Oui. De façon personnelle, vous savez, je suis retraité depuis plus de 20 ans, je m'en vais sur le 83, et il arrive que, à ce moment-ci, la santé nous rattrape. J'ai eu un petit accident vasculaire au mois de mai, et puis ça m'a amené à avoir des traitements. J'ai vécu une expérience, puis je ne sais pas si on peut appeler ça une critique envers le CNSC ou une proposition. On le prend comme on veut, oui. Mais je souhaiterais que la Ville m'appuie, parce que le CNSC sera informé de ça. Je trouve inconcevable qu'on ne puisse recevoir de prise de sang à court terme. J'ai vécu, au mois de janvier, une prise de sang pour l'avoir, c'était 6 semaines. À mi-mai, c'est encore du pareil. 6 semaines. C'est vrai que j'ai fait une petite ACV. Mon médecin a voulu faire un contrôle. Il m'a dit, il faut que la prise de sang soit prise 7 semaines. Il l'a écrit sur le papier. Je suis arrivé au CLSC. Non. Monsieur, si vous n'êtes pas content, allez à Robert Mal. C'est ce que je me suis fait répondre. Ouais. Au mois d'août, ça nous arrive à 80 ans d'être obligé d'aller prendre des prises de sang. Au mois d'août,
La prise de sang la plus proche, c'était le 7 de novembre. Le 7 de septembre, pour le mois d'août. Mon commentaire, je l'ai dit, je suis retraité. En 2001-2002, suite à un cancer, j'ai été suivi par le CLC pendant 26 mois. C'était impeccable, le service a été parfait. Ça, c'est 2001. Pourquoi me faire répondre, monsieur, si vous n'êtes pas content, allez à Robertval. Je sais que si j'allais à Dolbeau, avant 9h30, ils me prennent. Pas besoin d'annoncer avant. Si je vais à Robertval avant 10h30, ils me prennent. Ici, ils disent qu'ils bloquent à 8h30. Pourquoi? Je ne sais pas. Le côté technique, je ne le sais pas. Je n'ai pas posé la question aux gens. Moi, la réponse que j'ai prise, à me faire dire ça, c'est une réponse d'un employé frustré qui souhaite prendre les patients en otage pour témoigner de leur frustration. C'est sévère, mais c'est ce que j'ai ressenti avec eux autres. Puis, je vous demande de l'aide. Au mois de mai, suite à trois courtes visites à l'urgence de l'hôpital de Robertval, en ambulance en passant. En passant, les employés ont tous été attentifs, serviables à chaque fois. Pour une prise de sang de contrôle demandée par le docteur Carrier à court terme, j'ai dû prendre un chauffeur pour aller à l'hôpital parce que mon OCV m'interdisait de conduire. Moi, je pense qu'à Saint-Félicien, là, on a un CLSC, on a des services. Je ne peux pas comprendre qu'ils ne se gardent pas une petite marge. Tu sais, s'ils ne peuvent pas la faire le matin que je présente, qu'ils nous disent demain matin, après-demain matin, mais mon petit marge, il doit avoir de quoi faire. En tout cas, je demande à la ville. Ben, M. Blouin, écoutez, je pense que votre argument, puis vous êtes sincère, l'effort que vous faites, là, sans blâmer, moi, ce que je pense qu'on pourrait proposer, le conseil pourrait proposer par résolution, là, à la régie d'actualiser sa politique, sa desserte. Quand ils se sont battus lors de la négociation, lors de la dernière négociation, pour garder notre sélection, on le voulait, on les appuyait, on était d'accord. Alors, dans cet esprit-là, la continuité de maintenir nos services de proximité et aux personnes du troisième âge, les personnes peut-être qui en ont le plus besoin le plus fréquemment, puis qui ont moins de mobilité, justement, vous avez raison. Alors, je pense que ça sera pas mal vu, puis ça serait de bon usage, je pense. Conseil unanimement, une résolution qu'on va adresser à la régie, demander d'actualiser, puis de communiquer là, les vraies disponibilités pour les services de base, à l'instar là, de nos voisins, puis des autres services de proximité. Oui. On nous le dira, mais surtout, ne dites-moi pas. Non, d'accord, M. Blouin. Je pense que. Alors, une proposition à l'unanimité. On va faire ça, on va acheminer ça rapidement. J'aurais un deuxième commentaire à vous faire. Oui. Disons qu'on vous regarde de loin, et on ne vient pas vous voir souvent ici. Oui. Mais c'est plaisant de vous voir travailler. Puis je voudrais spécifiquement vous remercier. Dans les derniers 4 ans, vos budgets, vous avez respecté. Ça, de l'extérieur, c'est le fun. J'ai envie de vous faire rire un peu. Parce qu'actuellement, on a tous besoin de rire. Actuellement, le populisme, ça charrie tout. T'sais, avec l'Internet, avec les journalistes, tout se dit. Fait que j'ai fait une analyse courte. Imaginez qu'une dépense de 25 000 $ par rapport au budget de la ville, ça peut représenter environ 0,0103 millième. Si je rapporte ça à mon compte de taxes, ça représente 2,75 $ pour l'année. Il y a des chiffres qui peuvent paraître épouvantables, mais qui, à mon point de vue, ils ont la peine d'être expliqués. Encore une fois, je vous remercie. Vous avez tous fait un excellent travail. Puis je souhaite que ça continue. Bonne chance à tout le monde. Merci, M. Blouin. Merci. Merci. D'autres questions de la salle? Oui, bonjour. Mon nom est Rémi Gagnon. Je suis de Saint-Félicien. En fait, je vais faire ça naturellement. Donc, dans un premier temps, je souhaitais, au point numéro 6 de l'ordre du jour, il y avait la municipalité a joint une mutuelle de prévention, et puis je
trouve que c'est vraiment pertinent. Et puis, toutes les organisations qui joignent des mutuelles de prévention, c'est toujours... Il y a beaucoup de bénéfices à moyen et à long terme. Alors, Monsieur le maire, j'aimerais à mon tour, compte tenu que nous sommes dans une période d'élections qui s'en viennent, et comme vous le savez, j'ai présenté ma candidature il y a 4 ans comme conseiller municipal. Alors, j'aimerais vous indiquer mon intention de me présenter à nouveau cette année comme conseiller municipal. Voilà. Puis, c'est ça. Alors, d'accord, on reçoit votre intérêt pour le conseil d'excellente façon. Je pense que c'est là, la démocratie joue, hein, chaque terme, à un moment donné, on reçoit des propositions. Puis la population évalue, puis fera ses choix. Hein. C'est ça, on a la chance de vivre dans un régime démocratique. On voit ce qui se passe dans certains pays, là, où les gens ne peuvent pas faire ce qu'on fait ensemble. Là. Les gens ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas se présenter s'ils ne font pas partie de telle caste ou de tel groupe. Puis ça brime beaucoup, ça frustre les gens. Mais on vit dans une société qui a cet avantage-là. On fait ça simplement, vous l'avez dit, vous faites ça simplement, vous proposez spontanément votre candidature. La population va l'accueillir, ça fait la deuxième fois que vous l'offrez. Je pense que c'est très intéressant. Alors, je vous félicite et je vous encourage à vous rendre jusqu'au bout. Je déposerai officiellement ma candidature le 22 septembre prochain. Merci, M. Gagnon. Merci. Ouais. D'autres questions? Bonsoir. Jean-François Robert. Oui, M. Robert. Suite à la dernière séance du conseil où j'ai posé des questions, le service qui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable m'a contacté pour me fournir certaines réponses aux questions que j'avais posées. Puis ça soulève, comme vous devez vous en douter, d'autres questions. En ce qui a trait au tarif d'eau potable pour l'usine de congélation de Saint-Bruno, on fait état en 2017 d'un tarif de 61 sous du mètre cube. Oui. Puis en 2015, de 56 sous du mètre cube. Puis en 2013, de 44 sous du mètre cube. C'est le chiffre que j'avais, moi, qu'on m'avait fourni la dernière fois que j'étais intervenu sur ce dossier-là. Je voudrais qu'on m'explique ce qui justifie l'écart qu'il y a d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre. Qui m'apparaît d'accord considérable. Bon, on m'a fourni certaines explications, là, mais... On va laisser le directeur répondre. OK, oui. Ces taux-là, dont on vous l'a sûrement expliqué, c'est les indicateurs de gestion municipale, les indicateurs de performance. Donc, ça vient d'un calcul qui vient du ministère là, des Affaires municipales. Donc, tout le monde a ce même calcul-là. Pourquoi cette progression-là? Je vous dirais, dans les dernières années, au niveau des dépenses d'opération, c'est quand même assez stable d'une année à l'autre. Par contre, depuis, je vous dirais... 3 ans, entre 2 à 3 ans, on investit beaucoup plus au niveau des immobilisations pour, on a changé les ponts pour améliorer nos puits. On est sur des programmes d'infrastructure là, au niveau de la taxe d'assises, la TECQ, la taxe de l'essence et contribution du Québec, donc une contribution fédérale qui nous donne un certain montant par année. On doit l'appliquer sur des travaux de niveau 1. Des travaux de niveau 1, c'est des travaux à caduc égout. Donc, nous, c'est beaucoup sur la caduc. Donc, c'est vraiment une question dans les coûts que vous avez. Il y a les coûts d'immobilisation, donc d'amortissement des immobilisations. Donc, depuis les dernières années, on immobilise plus, donc on a plus d'amortissement, d'où l'effet à la hausse là, au niveau de ces tarifs-là. Même chose au niveau de l'égout. Là, donc, les indicateurs de gestion ont augmenté également. Donc, c'est carrément ça. Est-ce que vous pouvez me ventiler un peu ces chiffres-là à l'effet de... Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la part des immobilisations dans ce tarif-là par rapport aux coûts d'opération? Ça, je pourrais vous l'envoyer. C'est dans les indicateurs de gestion municipale. Là. On a le calcul sans les immobilisations puis avec les immobilisations, donc avec amortissement. Donc, ça vous donnerait là, l'ampleur des amortissements là, dans ce 61 cents-là là, pour celui qu'on parle puis celui des années précédentes. Là. Je communiquerai avec vous puis je vous enverrai l'information. Ça va me faire plaisir. Ensuite, je voudrais savoir, il y a plus d'un utilisateur de volume, là, comme ça, Saint-Félicien, qui est chargé à ce tarif-là. J'imagine que c'est le même tarif qui s'applique à toutes les grosses entreprises ou à tous les gros utilisateurs. Tous ceux que présentement là, qu'on charge au compteur, oui. Je vous dirais, on n'en a pas beaucoup. On est en train là, d'implanter ça là, dans les... on le dit depuis plusieurs années, mais avec les nouvelles normes, on n'aura pas le choix de les implanter. Tout ce qui est ICI, là, institution...
commerciales, on n'aura pas le choix de les implanter. On n'a pas beaucoup pour l'instant, mais ceux qu'on a, on les tarifie là, au comptant. Dans les données qu'on m'avait fournies, il y avait 5 entreprises qui étaient facturées au compteur sur les 21 utilisateurs majeurs. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, c'est pas plus que ça. Si on a une. Ben, j'imagine, ça en vient une nouvelle politique de l'eau potable. Je voudrais savoir si la tarification au compteur va être uniformisée à l'ensemble des entreprises. Je vous dirais, là, dans la loi, je pense qu'on n'a pas le choix d'en mettre un certain nombre, quantité, mais pas pour tout le monde. Mais pas pour. C'est le conseil qui va juger le statut au consommateur. Ouais. Les voleurs. On m'a aussi fourni une réponse à une question que j'avais posée concernant la fourniture d'eau brute. À l'ancien site prévu pour le parc agrothermique, là, soit face de l'usine de Greenleaf, on parle de 16 sous du mètre cube. Moi, ce que je constate, c'est que, d'abord, pour mettre ça en perspective, là, c'est qu'on chargeait pour de l'eau potable jusqu'à tout dernièrement, puis on a chargé ça pendant 17 ans, 16 ans, 9 sous du mètre cube à Greenleaf. Là, ce que je constate, c'est qu'on charge plus cher pour de l'eau de surface. Bon, il y a un paradoxe. Moi, Le paradoxe, je dirais, au niveau de l'eau potable, ça vient d'un protocole qui a été signé il y a X nombre d'années, qui est seulement qu'indexé, tandis qu'au niveau de l'eau brute, bon, on a refait un calcul quand il y a une couple d'années, donc avec les coûts actuels en immobilisation puis en opération. Donc, c'est pour ça que ce chiffre-là est beaucoup plus à date que celui-là de 9 cents, là, qui remonte à plusieurs années. Je comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, le 9 sous du mètre cube ne tenait pas compte des immobilisations, là. Ça, je ne peux pas vous dire. Là, c'est, si je considère l'écart, là, il ne peut pas y avoir un écart de cet ordre-là entre 9 et 44 sous. Là. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Enfin, valider. On y reviendra. Ouais. Moi, je suis, comme vous le savez, locataire ou sous-locataire d'une parcelle de terrain-là. J'avais déjà demandé à la Ville la possibilité d'une location à plus long terme sur ce terrain-là. Puis vous m'aviez dit que ce n'était pas possible. Dernièrement, quand il était question d'approvisionnement en eau brute, on m'a dit que la Ville désirait maintenant me faire signer un bail. J'ai toujours pas reçu cette proposition-là. Est-ce que c'est... Vous allez l'avoir un jour. J'espère, parce que là, vos plans sont là, vous n'êtes pas en difficulté, là. Ça servirait à relancer et à consolider. Sauf que moi, j'aimerais ça savoir, M. Puis on a un deuxième projet pour un troisième réseau de chaleur dans ce secteur-là. Fait que ça vous dit d'accord. Tout, là? On va le faire. Moi, c'est un des projets que j'ai, entre autres. On va le faire. Puis ça touche cette portion-là de terrain qui avait été réservée. On ne l'a pas gaspillé, on ne l'a pas compromis. Et là, on va le rendre disponible. Inquiétez-vous pas, on le sait que vous c'est en pas voulez. Ce n'est pas l'objet de mon étude. Bon. Ce que je veux savoir, c'est si les conditions de location ou d'utilisation de ce terrain-là vont être connues bientôt. Oui, quand on va être prêt. Incluant la fourniture d'eau potable. Oui, quand on va être prêt. Oui. Donc, cette année, moi, je m'attends à payer 16 sous du mètre cube d'eau. En tout cas, il y a le protocole là, qui est en cours, qu'on va y renouveler. Ça va demeurer de la location. Ça va demeurer de la location, il n'y aura pas de vente. Pour votre information, pour 16 faciliter. Sous du mètre cube, pour la consommation que j'ai faite cette année, ça va me coûter 17 $. Ben oui, c'est pas cher. C'est un avantage qu'on veut s'en servir pour attirer d'autres entreprises. Pour ça. Mais ça met les choses en perspective. Oui, d'accord. Merci. OK, restez avec nous et on va s'occuper de vous. Alors, d'autres questions? Bonsoir, Janine Lavoie. Bonsoir. Le 26 mars 2015, vous avez réclamé 582,89 et le 28 mars 2017, un montant de 407,23. Là, je vous arrête tout de suite, là. Pour assister à la lecture du budget. Je vous arrête tout de suite. Ça, là, c'est pas le temps, ni le mieux, ni le lieu de discuter des comptes de dépenses ou de la politique de dépenses de la Ville. Il s'en vient, écoutez, une période, là, dans les quelques semaines à venir, qui s'appelle la campagne électorale. D'après ce que vous pouvez voir, tous les conseillers et le conseil se représentent. On ne doit pas être gêné de notre bilan. Vous aurez tout le loisir, toute l'occasion de poser vos questions
vous enquérir des vues du conseil, des perspectives, puis partager l'excellent bilan des derniers conseils, surtout du dernier. Alors, ce soir, on ne va pas plus loin là-dedans, ça s'arrête là. Puis venez pendant la campagne, il y aura des soirées d'information, on vous livrera tout ce que vous voulez, puis là, ça sera le temps d'en discuter, mais pas ce soir. On va passer à la deuxième question. Il faut qu'elle soit pertinente. Oui. Oh oui. Une des sculptures de reconnaissance a été remise à la ville lors du party des Sartundra. Cette sculpture est placée à quel endroit? Il y en a une qui est dans mon bureau qui va être dans la hall, dans l'entrée de l'Hôtel de Ville. On prépare un présentoir, puis elle va être là. C'était ça ma question. Oui, elle va être là. Visible pour tout le monde. Dans l'entrée du hall de l'Hôtel de Ville, elle va être là. Parfait, ça répond à ma question. Oui. C'est satisfaisant. Au sujet des serres Toundra, dans l'annexe B, nommé établissement du prix du loyer, on peut lire. Divisé par le nombre d'années estimées par les parties, pour que le loyer annuel total se situe entre 4 et 5 000 $ par hectare en production, payable par mensualité égale et consécutive à compter du premier mois de livraison des produits des serres. Est-ce que les serres Toundra ont commencé à payer le loyer prévu? Non. Pourquoi? On n'a pas encore livré ce qu'on devait lui livrer. Voilà. On n'a pas encore livré d'eau chaude. On n'a pas fini notre réseau. On a acheté des équipements ce soir. On va compléter. On n'a pas encore, on ne s'est même pas acquitté encore de notre obligation, alors qu'eux produisent, on fournit des emplois, puis ils connaissent des problèmes, puis les règles un après l'autre, puis nous autres, on n'a pas encore livré notre partie. Quand ça va être livré, c'est clair dans le protocole, ils vont rembourser. Moi, j'ai lu premier mois de livraison des produits. Oui, mais on n'a pas livré ce qu'on devait livrer. On n'a pas livré notre partie. C'est un contrat entre deux parties. Chacun a une obligation. Les autres, c'était des jobs. Les autres, c'était des services. On n'a pas livré les services. Ils ont livré les jobs. Ça va venir. Inquiétez-vous pas, ça va venir. Le protocole est clair. Tout va être dedans. Puis le 4 500 $ d'électeurs en production, ça va être ça. Il y en a 8, ça va faire 35 000 $ à 40 000 $ par année pour commencer. Puis ça va rester, puis ça va être là. À vie, ils vont même prolonger après avoir payé, remboursé à la ville. Ils vont continuer à le maintenir dans un fonds. Je vais vous dire rien qu'une dernière chose, là, pour éviter, puisque vous jetez beaucoup de confusion. Le projet des serres Toundra de 100 millions de dollars ne coûte pas une scène à la ville. La seule dépense nette que la ville de Saint-Félicien va avoir faite là-dedans, c'est le party de reconnaissance, 28 000 $. Si ce n'est pas un record Guinness, je vais l'inscrire. Il n'y a pas un rendement, pas un investissement au Québec qui a réussi ça. Voilà. Voilà, moi, c'est ça. Alors, si c'est fini, si on n'en parle plus. Si je ne vais pas payer les autres pour le faire. Non. C'est si vous avez ici le genre d'attitude, puis je rappellerai à la population que c'est vous, il y a quelques années, avec quelques-uns de vos amis, qui êtes descendus au Parlement à Québec pour demander au gouvernement de nous interdire de se développer. C'est vous qui avez fait ça. J'étais là, devant tout le Parlement. Non, hey, j'étais là, puis je l'ai vu. Alors, c'est fini. D'autres questions? Alors, une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Boivin, M. Bouchard. Oui. Merci tout le monde. À la prochaine.